Bonjour à toutes et tous, Papy vous rejoint avec plaisir aujourd'hui. On va partir une petite aventure sur BioShock Infinite. Donc un très bon jeu hein, de la série BioShock, hein, la licence BioShock. Il y a eu le 1 et le 2, et celui-ci, Infinite, est sorti en 2013. Donc ça fait 7 ans, me direz-vous, vous allez voir, on s'amuse bien dessus. Et il est différent des deux autres, hein. C'est pas une suite de BioShock 2, ça se passe dans un autre univers. Dans le 1 et le 2, c'était Rapture, hein, ça se passait sous l'eau. Et là, vous allez voir, c'est complètement différent, c'est plus coloré, c'est pas tout à fait le même gameplay. Et on va découvrir ça, on va aller voir dans les options. Alors, vidéo, voilà, j'ai mis en 1440p, hein, prédéfini, ultra, parce que j'ai changé, c'est verrouiller le taux de rafraîchissement. Normalement, c'est sur oui, par défaut, mais j'ai essayé sur oui quand je jouais. Même à 140, 150 images secondes, oui, on peut monter à ça. Hein. Et bah, c'était un peu saccadé. Bah, je trouvais ça louche. J'ai mis sur non le taux de rafraîchissement. Et là, il n'est pas verrouillé. Et là, ça passe bien. Sous-titres objet, ouais, bah tout. Hein. Ouais, barre de santé, des ennemis. Je sentais les ennemis, tout, ok. Bah écoutez, voilà. L'audio, bah, c'est bon, c'est correct. Hein, la musique, je vais baisser un tout petit peu. Les effets sonores, bah, je vais tout baisser d'un cran. Parce que, quand j'y joue normalement, c'est volume des dialogues. Voilà. Quand on y joue tout seul, ça va, mais quand on veut mettre une voix par-dessus, sous-titres dialogue, ok. Là, on sauvegarde. Alors, en 1440p, moi j'ai un écran 144 Hz, donc incurvé, 2K, 1440p, donc je profite bien du jeu. Et là, on va partir. Voilà. Jeu principal, et comme j'avais commencé la partie, bon, j'ai joué en 2013 à sa sortie, hein, bien sûr, mais là j'ai démarré une partie pour faire, je veux dire, quelques réglages. On repart sur une nouvelle partie, ouais, sans remords, on laisse en moyen, hein. Il y a facile, moyen, difficile. Et mode 1998. Le mode hardcore est réservé aux joueurs les plus aguerris. Donc on va laisser en moyen, c'est équivaut à normal. Et à partir de là, je me tais pour vous laisser la cinématique, tout ça. Et bon, bah, on se retrouvera parce que je vais faire un let's play complet sur ce jeu. Parce que c'est vraiment le fun, moi il me plaît beaucoup. Y rejouer, c'est un vrai plaisir. Allez, maintenant, je me tais. Motus, bouche cousue. Cœur, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains, toi. Dis-moi, tu vas rester planté là? Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Danser, non. Que tu rames. Oh.
Ramer ? J'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout ? Non, je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur ? C'était ton idée de venir ici. Mon idée ? J'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi, ramer ? Non, ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors ? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long ? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas ? Non, il ne rame pas. Hein, je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas un rameur. Nous y sommes. Vous avez remarqué, les sous-titres sont très très petits et je peux pas les lire tous. On peut lui dire quand on reviendra. Quelle différence ? Bon, c'est en français. Ouais, peut-être. Pour une fois que nous sommes d'accord. Hé ! Y a quelqu'un qui m'attend ici ? Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Bon, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Alors ce couple-là, sans spoiler, on le reverra de temps en temps et il parle beaucoup. Alors, dans BioShock 1, on commençait aussi dans un phare. Et là, on commence dans un phare. Pour la petite anecdote, là j'ai le compteur de vue, hein. On tourne à là, 202, là, 195, 156, enfin, en 2K 1440p, donc j'ai un i7 7700 et j'ai un 16Go de RAM, hein, de la DDR4. Et j'ai une GTX 1070 Ti, une Zotac Mini. Et vous voyez, un jeu comme ça de 2013, qui est très beau en plus, et excellent à jouer. Bah, on peut en profiter maintenant. Excusez-moi, je suis Booker DeWitt. Aux plus hautes résolutions. Vous m'attendez. Même en 4K, hein, il tourne à plus de 100, quoi. On se voit. Eh ben, ça a l'air sympa. Vous voyez, taille des sous-titres, moi je peux même pas les lire, quoi. Alors, bon, alors, ça sera pas du speedrun, parce que moi, un jeu comme ça, je fouille partout. Voilà. Alors, on peut pas stocker la mangeaille parce que on le mange directement quand on le ramasse. Y a quelqu'un là-dedans ? Eh oh ! Apparemment, personne au bout du fil. Pourquoi j'ai eu l'impression de monter sur le fauteuil. Louche. Ok. On ramasse tout, là il n'y a rien. On va faire couler un peu l'eau. Là il n'y a rien. Ah, ici. Bon, il y a de la monnaie. Ok. Là, y a rien. C'est bizarre, dans tous les jeux maintenant, on a l'impression d'être un nain. Regardez, si je me mets accroupi, là, c'est vraiment... c'est comme si on était allongé. Pourquoi je ne peux plus me relever ?
Bah, appuyez sur B pour vous relever, ouais. C'est ce que je fais. Merde. Je reste accroupi. Oh, c'est quoi ce bug? Bah ouais, appuyer sur B pour relever, bah ouais, je voudrais bien. J'ai beau sauter avec A. Ah, ça y est, il s'est relevé. Oh là là, c'est dingue ça. Oh, c'est dingue. Mais bon, vous voyez, on n'a pas l'air vraiment grand, hein, même quand on n'est pas accroupi, et c'est beaucoup de jeux comme ça. Dans Skyrim, pareil, on a l'impression d'être un nain. Ou alors c'est parce que je suis grand. Hein. Ah, ouais, il est par là quand même. Il y a toujours un tonneau, quelque chose, quelques pièces, ça nous sera bien utile. Bon, voilà. Mais attends, cette carte. Alors, une fois, deux fois, deux fois. Ok. Une fois. Une fois, deux fois, deux fois. Ah oui, j'allais dire. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est comme du code Morse. Ok, ouais, c'est du code. Ok, réponds. Un mécanisme. Bon, bah. Bon, bah, je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. Donc c'est parti pour l'aventure. Bon, et maintenant le... Ce n'est pas grave, là. Non. C'est bien sûr votre sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe, là? J'aime pas ça. Que se passe, ce pied? Ah, le pistolet. Non, 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 bordel de merde. Attention. Début de l'ascension dans 5. Non, dans 4, non, 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 non. 3, 2, 1. Non. En fin de compte, le phare, c'était une fusée. Okay. Allez, on nous sommes à 5000 pieds. 10 000 pieds. 15 000 pieds. Alléluia. Hein, c'est complètement différent de Rapture, hein, dans les deux premiers épisodes. C'était sous l'eau et là, regardez, un beau ciel bleu et dirigeable et les bâtiments, bah, se baladent sur des flotteurs avec des hélices, voilà. Ah, ils ont pas traduit, hein. Même pas le sous-titre. Et moi et l'anglais. Il parle de la nouvelle Éden. Ah, la dernière chance pour la rédemption. Ok.
Bon, pour l'instant, j'ai pas la main. Là, oui. Ok. Alors, il n'y a pas de carte, hein. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé. Voilà, donc vous appuyez sur la flèche du haut, ça vous indique le lieu de la mission. Voilà, un sou est un sou, donc on ramasse tout. Regardez, c'était beau. Ça l'est toujours. On s'embête pas, on rafle. Ah bah là-dedans, il n'y a rien. Ok. On rafle la monnaie. Non. Y'a rien là derrière? Non. Ça c'est vide. Oh, c'est vide. Ok. Un peu radin. Oh non, c'est des lumières. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ah ouais, mais t'énerve pas de Wit. On va y arriver, ne sois pas pressé, il n'y a pas d'urgence. Excusez-moi, je suis où? Au paradis, enfin ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions, je veux pas me faire remarquer. Ouais. Ils ont l'air un peu allumés, je sais pas. Mais bon. Et chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité. Ah, on et peut notre pas aller de l'autre côté. Nous nous engageons par le sacrifice et par l'action de grâce et en nous plongeant dans les eaux du baptême. Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Wounded Knee, plutôt que de s'insurger contre la menace de la Salome inférieure, cela aurait suffi. Pardon, messieurs. C'est à nouveau. Il vient de la Salome inférieure qui nous menace. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère? Soit j'accepte, soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée. Bah voilà, pas le choix. Autant me débarrasser de la corvée. Bah, pas le choix, quoi. On est obligé. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de nos... de Columbia. Amen. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien vu. Qui est là? Qui est là? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte, tout de suite! Je vous l'ai dit, je refuse de le faire! Allez-vous-en! Monsieur DeWitt! Ouais. Monsieur DeWitt! Ah, on a ramassé avant de partir. Non, apparemment, il n'y a que dalle. Il y a un pistolet là. Non, apparemment. Mmh.
Notre fierté en est incapable. Nous le savons, parce que l'ange comme nous... Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Une épée en or, pour que les... Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Dominer les autres nations. Au père Franklin, une clé en or pour que les... Voilà. Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Ouais, c'est faut remonter la barre de santé rouge, là. Ok, donc si on peut toi manger... Toi qui franchis le Delaware, avec une épée de feu et des ailes angéliques, protège-moi et te montre l'ignorance. C'est un air sympa. Et de la clé. Il n'est que providence. Tu vois sa main divine. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Enfin, j'ai une gamine à trouver, moi. Oui, parce qu'on va chercher une gamine. Et nous voilà à la ville. Ah, c'est sympa. Non, monsieur Rossignol, nous avons juste de repartir. Je pense qu'on doit pouvoir arranger ça. Il n'y a rien. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Ok, plus rien, mon gars. Ah bon, c'est bon, la barre de santé est à fond. Un jour parfait pour les festivités. Le père Comstock a dû le prévenir. Notre sainte mère du pardon. Ah, sainte mère du pardon et tout. Hein. Oh, cette statue. Pour moi, on n'y voit pas le père Comstock et son absolu. Un scoop de la liberté n'aime pas. Je peux rien prendre là-dedans. De Salton Scott n'est pas si mal, moi je dis. Il dit qu'il aime la foi, la famille et la patrie. Alors, rien. Tout ça. Alors, là, il n'y a rien. Non plus. N'embauchez jamais d'artistes, mon bon ami. C'est une race caractérielle sur laquelle on peut jamais compter. Puis l'archange m'a montré une vision. Une ville plus légère que l'air. J'ai demandé, pourquoi me montrer ceci, archange? Je ne suis pas un homme fort. Je ne suis pas un homme vertueux. Je ne suis pas un homme saint. Alors elle m'a répondu une chose remarquable. Tu as raison, prophète. Mais si la grâce est à la portée d'un homme tel que toi, comment les autres pourraient-ils ne pas la voir en eux ? Ouais. Elle est grande, cette statue. Si la Vox Populi parle là... Non, et puis ça veut dire quoi, au juste, la Vox Populi ? C'est du la latin. Voix du peuple, c'est non? Du latin. Ok. Pas tout se mange. Hein. Bon, cheval mécanique. Il n'y a rien à prendre là. Voilà. Même une pièce ou deux. Désolé, va falloir attendre. Oui, monsieur. On attendra.
chance pour la tombola. Grande fête et tombola de Columbia. Ok, quelque chose qui traînait là. L'épée lui réussit. La clé de ton chemin à tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Sans nuages, plutôt chaud, avec un petit vent variable dans l'après-midi. En résumé, une journée Bonjour. Magnifique pour la fête. Et maintenant, revenons à Vampire. La vide. Voilà. La santé, j'ai ce qu'il faut. Ça, il y en a un peu partout durant le jeu. Ah, je vous laisse regarder ça. Il y en a de disséminés un peu partout, quoi. Regardez. C'est un peu Golden Gate Quartet pour les plus anciens. Bien organisé. Hein. J'ai du fait de parler comme ça. Tu risques d'attirer l'attention. John, ne te transforme pas en extrémiste de Finton. Je refuse de finir dans ces reportages sur les femmes d'agents de la Vox Populi. Voilà, merci. Merci, merci. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Un télégramme pour vous. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Merci, mon ami. Regardez ça. Interagir. De ces histoires qu'on raconte au bar. Non, messieurs, non, mesdames, je vous parle là des un barrage.
Je vais devoir trouver un autre chemin. Exclusivité par monsieur Jeremiah Fink. Qui parmi vous s'est déjà frotté au divin don des toniques? Une gorgée et vous ferez de véritables prouesses du bout des doigts. Vous savez que notre prophète est juste, qu'il est bon et qu'il a demandé personnellement à monsieur Jeremiah Fink de partager ses merveilles avec vous. Loué soit notre prophète et loué soit notre belle ville. Si je vous disais qu'un homme peut lancer des éclairs, oui, on a du un peu partout doigts, hein, ça. Me croyez-vous? Ouais, les toniques. Si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un ça. Animal d'une tonne dans les airs, me croyez-vous? Approchez, messieurs dames, venez découvrir l'incroyable puissance de la déferlante. Pour lever, retourner, projeter les obstacles, n'attendez plus. N'ayez crainte, j'ai la solution. Un fusil à pompe et au travail. Vous là, vous êtes capable de protéger la ville. Je vais essayer. Maintenant, visez ces traîtres et tuez-les. Touchez-en suffisamment pour recevoir un lot. Ok. Oh, monsieur est un connaisseur. Regardez un peu ça. Il va falloir faire mieux que ça. Sacré tir. Encore quelques-uns. Si je vous disais qu'un homme. Allez, vous y êtes presque. Allez, vous y êtes presque. J'avais jamais vu ça. C'est bien mérité. À prendre. Ouais. Ok. Bon, bah c'est bon, j'ai gagné quelques pièces. Faites le ménage. Sympa. Prenez un fusil et donnez une bonne leçon à la exclusivité. Pour l'instant, on se balade un peu partout. On va ramasser un peu tout. Regardez les gamins. Ah, oh, ils en profitent. Barbe à papa. J'ai la solution. Un fusil à pompe et au travail. Vous là. Non, je l'ai déjà fait. Aïe, aïe, aïe. Les progrès de la science et les merveilles qu'on peut voir chaque jour. Newton d'Alexandre, les meilleurs de Columbia. Aïe, 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 dans le présent. Allez-y, dites quelque chose. C'est quoi un voxophone? Une vision. C'est quoi un voxophone? Légère que l'air. C'est ça, un enregistrement personnel de votre voix. Eh, hey, qu'on soit bien clair, moi je paie pas pour ça. C'est juste une démonstration. Ok. Je ne suis pas un homme saint. Alors elle m'a répondu une chose remarquable. Tu as raison, prophète. Mais si la grâce est à la portée d'un homme tel que toi, comment les autres pourraient-ils ne pas la voir en eux? Montrez ce que vous savez faire. Gamin, il se pète, là. Ce sont les jeunes qui ont eu l'idée de se balader sur l'air au tram, tu sais. Et ces petits malins. Ah, tiens. Approchez, messieurs, dames. Venez découvrir l'incroyable puissance de la déferlance. Trouvez le démon, monsieur, et chassez-le. Et en avez-vous la trempe? Ah, oui, essayez. Non, messieurs. Non, mesdames. Ah, il est là-bas. Voilà, il était là. Et voilà le premier démon. Pas. Attends, il était là-bas. Voilà. Démon numéro 2. Ça n'a pas marché, ce mannequin se balader devant à tous les coups.
Voilà. Voici notre vainqueur. Et voilà l'ami. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de lever, retournez ou projetez. Voilà, quelques pièces. On va en avoir besoin au départ. Ah, il n'y a rien. Ça là-haut, c'est quoi? Ah bah non. Bon. Voilà. Ah là. Ah lui, on l'aime pas. Hein. Ouais, Andy Man, quand on le rencontre là, ça sent le sûr. Tu as déjà vu un spectacle pareil? Il a l'air triste. Triste? Fort comme il est, pourquoi il serait triste? Quatre parfums? Tant que ça? C'est mieux là. Ok. Parce que la vanille, ça bon. N'est pas assez pour vous? Ah. Avec possession, c'est vous le maître. Faites obéir n'importe quelle machine. Ah, voilà. Les toniques. Enfin, ça c'est les cristaux. Voilà. Ça c'est les toniques. Cher ami, avez-vous déjà perdu de l'argent dans un distributeur? Je vais en prendre un. Un simple murmure, ils sont à vous. Qu'est-ce que c'était que ça? Avec ça, on peut prendre possession des machines, hein, les tourelles, tout, et après, même des humains. Voilà, alors, attendez, ça se recharge avec des cristaux. Donc, voilà. Et la barre de cristaux en bas, c'est la barre bleue, en bas à gauche, on peut l'améliorer. Pile ou face? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face? Pile. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Ah, vous avez reconnu le couple qui était dans le bateau? On va les croiser comme ça de temps en temps. Ça, c'est vide. Ah, les marchands, kit de soins. Non. Non, non, je vais garder mon argent pour plus tard. Bah, il me prend pour un manant. Il a l'air perdu. Moi, il m'a l'air très bien. Marie, tu es vraiment irrécupérable. Je leur prends leurs pièces. On raconte que les machines du père Franklin vont bientôt reprendre du service. Rien faire par là. Ici, c'est fermé. Mon modèle? Mais Madame Comstock, bien sûr. Que notre prophète la bénisse. Vide. Ah, vous verrez, on va débloquer d'autres toniques comme ça. Et il y en a franchement. Tu sors ce truc? Ce petit bijou? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotrame de la Vox Populi, on doit être équipé. Ils recrutent pas dans le groupe? La division. J'aimerais bien cogner sur la Vox Populi. Parlera à quelques-uns. Un univers quand même assez fantastique. Madame Lutèce,
J'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit que ce n'est pas le genre de loisir auquel doit s'adonner une jeune femme. Mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour ? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Mes sincères salutations, Constance. Ah, ils ont eu de l'imagination pour les décors. Là, c'est vraiment, c'est bien trouvé cet univers là. Ah, je fais le tour hein, quand même. Voilà, les pièces, je vais en avoir besoin. Voilà. Même une ou deux pièces. C'est super. Qu'est-ce que... Ouais, ce tatouage... Cette marque, plutôt. Ramasse tout ce qu'il y a à ramasser avant. Et quand on va arriver à la tombola, ben on va se laisser avant. Ça, c'était le premier épisode. Donc là, on se balade, on ramasse tout ce qu'on aura besoin. Voilà, des pièces. Ah, ok, ça ne s'ouvre pas. Pour l'instant, c'est fermé. Voilà, encore des pièces. Voilà, il n'y a rien. Ah, je veux pas gaspiller mes cristaux tout de suite parce que sinon vous pouvez pirater les marchands là et ils vous font tomber des pièces ou alors un truc de soin, n'importe quoi. Donc c'est intéressant, mais là j'ai que deux barres de cristaux là, donc je préfère et garder, et plus tard je vous montrerai. Voilà. Ah bah écoutez, là on va se quitter là, parce que après la tombola, c'est là que l'action va commencer, hein. Là il n'y a pas eu d'action, c'est le démarrage, hein. C'est une espèce de tuto et vous mettre dans l'univers. Voilà, et ben partagez, likez, commentez, hein. Si vous passez sur la chaîne par hasard et que le contenu vous plaît, bon ben, vous allez voir ce qu'il y a d'autre, et ben, vous abonnez, mais surtout actionnez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Eh ben, si vous voulez d'autres épisodes, dites-le dans les commentaires, mais de toute façon, je les ferai. Donc, on va repartir, Gridfall s'est arrêté, 40 épisodes. Je vous invite, si vous aimez les RPG, à aller voir les épisodes de Gridfall, et ça devrait vous plaire. Moi, il m'a très bien plu. Ah voilà, ben on va repartir sur BioShock Infinite, là c'était le numéro 1, et on verra combien il nous faudra de numéros d'épisodes.
Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, et restez bien tranquille chez vous.